nom est Estelle Métayer, je suis présidente de Compétia, administratrice de société. Je suis avec Étienne Hermite qui nous rend visite à Montréal de Paris. Étienne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et votre entreprise Navia? Oui, alors moi je suis Étienne Hermite et je dirige la société Navia, qui est une société qui conçoit et fabrique des véhicules autonomes, des navettes autonomes, qui sont propulsés par un logiciel de conduite autonome, donc un chauffeur virtuel qui marche à l'aide de capteurs qui sont installés sur le véhicule et qui permet à la navette d'être conduite toute seule. Et donc c'est une société qui existe depuis 5 ans maintenant, qui est basée en France, à Lyon et à Paris, et aux États-Unis près de Détroit, dans le Michigan. Et nous employons aujourd'hui 270 personnes à travers le monde. Oh, bravo, c'est une belle réussite. Alors pourquoi Montréal, pourquoi Moving On aujourd'hui? Ben, on a été séduit par le concept de ce sommet ou de cette rencontre, je ne sais pas comment l'appeler, qui est un format qui nous intéresse beaucoup parce que d'une part on va retrouver on va dire l'écosystème de la mobilité, mais dans une acception large, c'est-à-dire des industriels, mais aussi des professionnels du monde du service. Et puis les rencontres sont suscitées, sont organisées de telle façon que ça nous paraît très riche, ça nous permet de rencontrer plein de gens, mais aussi de travailler en fait et de réfléchir. De réfléchir avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est un format qui nous a vraiment plu. Et donc, on a souhaité être partenaire de cet événement. Parfait. Alors, moi, je suis montée dans je ne sais pas comment on appelle ça, un bus. Une navette à midi. Très intéressant. Parlez-nous un peu des technologies qui entourent ce type de véhicule. Vous appelez ça l'autonomie lente. Pourquoi c'est l'autonomie lente? En tout cas, juste pour décrypter un petit peu. Alors, on met des capteurs, qui sont des capteurs qui sont pas fabriqués par nous, qui sont fabriqués par d'autres sociétés, qui sont alors toutes sortes de capteurs, sans rentrer dans le détail, des lidars, des caméras, des IMU, toutes sortes de capteurs qui permettent de capter l'environnement qui est autour du véhicule. Et ensuite, notre logiciel analyse ces données et à l'aide de ces données-là, va prendre des décisions, accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche, des décisions de conduite, et ensuite va les exécuter. Et donc, voilà, il y a trois étapes. Il y a rassembler des informations, capter des informations, décider et exécuter. Pourquoi autonomie lente? Alors là, je pense qu'il faut, revenir un petit peu à la vision d'origine de la société qui est dans le monde de la conduite autonome. En général, on distingue 5 niveaux d'autonomie, de 1 qui est le plus bas niveau d'autonomie à 5 qui est le niveau d'autonomie complet, c'est-à-dire le système va pouvoir faire tout ce qu'un conducteur humain faisait. Donc peut conduire n'importe quelle voiture par n'importe quel temps, qu'il fasse très chaud, qu'il neige ou qu'il y ait une tempête, sur n'importe quelle route. Et nous, on a visé le niveau 4, qui est donc juste avant le niveau 5, et qui est une autonomie complète, mais dans certaines conditions d'opération. Et donc, par exemple, ça peut être pas quand il y a une tempête de neige, parce que les capteurs vont moins bien voir. Ou pas sur certains types de routes parce que l'environnement est trop compliqué et que le système ne s'y retrouve pas. Et donc, et pas plus vite que X km heure parce que au-delà d'une certaine vitesse, le niveau de safety est réduit. Donc c'est ça le niveau 4, c'est une autonomie complète dans certaines conditions. Et nous, on a pensé dès le début que c'était un objectif, alors peut-être un petit peu plus modeste, un petit peu plus humble que le niveau 5, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs du véhicule autonome disent « bon, le niveau 5, c'est pas si simple, ça va pas venir tout de suite, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que prévu, et puis les régulations ne sont pas prêtes ». Et donc, finalement, d'avoir une ambition qui est un petit peu plus modeste, mais un peu plus réaliste, voilà, c'est la mission qu'on s'est donnée chez Navia. On n'y est pas encore parce que aujourd'hui, nulle part dans le monde et aucun acteur
ne peut opérer un véhicule sans conducteur de sécurité, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour appuyer sur le bouton au cas où, mais on y approche. Alors, on va revenir à la réglementation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces véhicules, ils vont être dans des villes. Donc, quels sont aujourd'hui les freins à l'implantation de navettes de ce style? On pourrait imaginer que ce serait la façon d'augmenter la fréquence des transports en commun, parce que j'imagine que c'est une grosse application, c'est les transports en commun. Comment les villes réagissent à tout ça? Est-ce qu'il y a des freins à l'adoption et lesquels? Alors, y a, avant de parler des freins, je pense qu'on peut d'abord regarder positivement un vrai enthousiasme, une vraie curiosité des villes. Aujourd'hui, on a des autorisations de rouler dans 20 pays dans le monde. Mmh. Et on a vendu 115 navettes à fin 2018, ce qui est beaucoup, ce qui en fait de nous le leader. Et donc, vraiment, les villes ont envie de comprendre comment ça marche, à quoi ça peut leur servir. Et donc, les opérateurs de transport utilisent nos navettes pour aussi apprendre dans le futur à opérer des navettes autonomes, ce qui est un métier un petit peu différent d'opérer des bus. Des freins, il y en a plein, à commencer par des questionnements autour de la sécurité de nos systèmes. Et ça, on est en mesure de les rassurer, puisqu'on a à ce stade, d'abord pas eu d'accident significatif. Et puis, en voyant nos navettes rouler et en voyant les réactions de nos utilisateurs, que ce soit des observateurs ou des gens qui montent dans la navette et qui, à plus de 95%, se disent rassurés après quelques minutes, c'est des freins qu'on est capable de lever. Je dirais qu'aujourd'hui, le principal frein, c'est plutôt un frein, j'allais dire, économique. C'est comme aujourd'hui, on a des safety drivers dans chacune des navettes, il n'y a pas d'intérêt économique pour les villes à mettre des centaines de navettes, puisqu'on est encore dans une phase d'expérimentation, et c'est normal. Donc, on sera encore en phase d'expérimentation pendant encore quelques mois, quelques années. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais c'est clair que ça répond à des vrais besoins. Besoin du premier, du dernier kilomètre, compléter des réseaux de transport qui sont insuffisamment maillés, et le tout à un coût de revient qui soit en diminution par rapport au coût actuel. Et c'est important pour les villes de commencer à apprendre et à comprendre. Le jour où effectivement ce modèle économique pourra évoluer, elles seront prêtes à ce moment-là à savoir comment les opérer. Oui, c'est ça, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est des choses toutes bêtes, mais quand vous opérez des navettes autonomes, ben, en fin de service, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les ranger quelque part, il faut quelqu'un pour les nettoyer. Et puis, c'est des navettes autonomes qui vont circuler un petit peu partout, mais il y aura besoin de les superviser. Donc il faut installer des centres de supervision, il faut avoir formé des gens qui soient capables de surveiller plusieurs navettes à la fois et éventuellement d'être en mesure de prendre des décisions, d'acquitter une décision de la navette parce qu'il y a un camion poubelle qui est devant elle. Merci. Et il y a une ligne continue, il faut prendre la décision de franchir cette ligne continue parce qu'il y a ce camion poubelle qui dérange. Enfin, vous voyez, toutes sortes de choses gérer d'éventuels problèmes avec les passagers dans la navette. Toutes ces choses-là qui sont faites, j'allais dire, qui sont des tâches aujourd'hui effectuées par des humains, bah, il faut prévoir de pouvoir les faire soit par les machines, soit de façon déportée par des êtres humains. Donc c'est tout un nouveau métier qu'il faut apprendre. Et puis il faut aussi apprendre à concevoir de nouvelles lignes, de nouveaux usages, des lignes un peu hybrides où les navettes vont pas s'arrêter à tous les arrêts, mais ou faire un mini détour si jamais il y a... Enfin voilà, il y a tout un... des nouveaux métiers à apprendre, et donc il faut commencer dès maintenant. C'est très encourageant, je trouve, effectivement, de ces nouveaux métiers. En fait, c'est une transformation. On va créer des nouvelles fonctions qui n'existaient pas aujourd'hui. Absolument. Et j'ajouterais que souvent une objection qu'on peut faire, c'est « mais en fait, vous allez remplacer tous les chauffeurs ». En réalité, on pense que ce n'est pas le cas. On pense que nos produits, nos services vont avant tout servir à compléter des réseaux de transport insuffisants. Voilà. Alors après, ça pose la question de
qui va payer ça, parce que les transports en commun sont en général financés par de l'argent public. Donc il y a des modèles de financement à trouver, et c'est aussi quelque chose qu'il faut commencer à regarder dès maintenant. Modèle d'affaires peut-être privé, public, absolument, etc. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Si vous avez quelques mots en conclusion, un message à faire passer sur l'avenir de cette belle technologie qui... Non, bah, écoutez, on est très heureux, encore une fois, d'être partenaire de Moving On. On donne rendez-vous peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans, où la démonstration qu'on fera sur le parking, il n'y aura plus de safety driver, il y aura une navette qui sera réellement toute seule et qui prendra toutes les décisions toute seule. Je pense que ça va enthousiasmer les passagers et les utilisateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.